On a créé une association pour engager un recours administratif contre la troisième centrale à bitume de la Ville-Dieu. Donc je rappelle, Johanna était intervenue lors du meeting de Ruffin, hein, donc elle avait bien présenté la situation, effectivement. Et donc, la communauté de communes, les communes ne nous écoutent pas, n'ont jamais daigné nous recevoir. Bon, on a engagé un recours donc administratif il y a un an, donc ça devrait bientôt passer, puisqu'on a eu en fin d'année dernière la réponse de l'entreprise. On a fait valoir nos nouveaux arguments, et donc le dossier devrait être examiné prochainement par le tribunal administratif. Mais mardi soir, il y a un conseil communautaire à Vaisseau, et on a décidé de s'y inviter. C'est-à-dire de faire un petit rassemblement pour faire pression un peu sur les élus. Donc je sais que vous êtes toutes et tous très engagés dans la campagne et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour vous mobiliser sur d'autres luttes, mais ça serait bien qu'on soit un nombre significatif pour interpeller donc les élus par rapport à ce dossier, et en priorité le maire de la Ville-Dieu, qui est je crois qu'il est vice-président, hein, de cette communauté de communes, interpeller l'ensemble des élus. Voilà, merci. Bravo, monsieur. Ah oui, pardon. Le conseil communautaire a lieu à 19h15, et c'est dans le nouvel équipement, là, à côté du stade. Oui, c'est ça, salle Gimbert, ouais. Oui, à côté du stade. Hein. Donc rendez-vous à 18h45 pour accueillir en fait les élus lors de leur arrivée à ce conseil communautaire. Merci. À Vaisseau. Le conseil communautaire aura lieu à Vaisseau.